donc arrivé à Puerto Maldonado. Il est très mouvementé. Ouais, ben moi j'ai dormi là, mais... J'ai dormi peut-être comme 3 heures. Une méchante orage, c'était malade. Les heures qui ont tombé sur la route, puis tout. L'autobus a resté pris pendant comme au moins 45 minutes. Puis tard, ces heures en plein milieu de la... Hey, moi j'ai eu zéro connaissance de ça. Fuck off. C'est humide là en ce moment, j'ai chaud, je suis plus capable. Imagine, on est même pas encore dans un. Dans l'Amazonie, on est dans la ville. J'ai hâte de me baigner. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de me laver, moi. Ah, you feel it behind. Oh, okay. We are in Puerto Maldonado. Nous sommes rendus à Puerto Maldonado. C'est vraiment cute, comme ville. Mais c'était pas ici, ouais. Ici, on prend le bateau là tantôt à 9h. Donc là, on s'est pris déjeuner. Il y avait des bâtons dans le lait. Non, pas vrai. J'ai tellement hâte de prendre une douche. Oh mon dieu, on est collés, c'est tellement chaud. Tantôt, il faisait déjà 34 ressentis. Il était 7 heures. Ils disent que dans l'Amazon, il va faire. Dans la journée, on a checké et on s'est comme ressenti 45-50. Ouais, fait que j'ai hâte de me baigner. Ouais, moi, il y a aussi. J'ai hâte. Et après ça, on va filmer la règle de bateau avec la peau. À tantôt! Log update. On est au dîner. C'est ici qu'on mange. Dans l'air commun. On va voir ça avec un dîner. Puis après ça, il est 1h. Ouf, ouais. T'es flou. Attends.
Là, il y a une heure. Après, on s'en va à 3h30 avec notre nuit. Nos enfants ont fait des caoutchoucs. On fait une activité à 3h30. Là, fait que... Mais on devrait ça. Elle me dit que je me suis rendue avec les messieurs de marche. Je les ai mis dans mon autre gros sac, mais comme on ne pouvait pas amener tous nos gros sacs ici, on a tout condensé dans un. Mais moi, je m'étais dit, je vais switcher. À matin, je vais mettre mes Converse dans mon sac que j'apporte pas, puis je vais mettre des essuie-neige. Mais j'ai pas pensé, j'ai oublié. Je prenais mes Converse pour aller faire une expédition dans ça. Dans jeun. Dans jeun. Pas dans le boiseau au coin de la rue. Hein. En tout cas. Tu regardes-tu des fois la caméra? Oui. Ok. Fait que là, on est dans notre petit hamac. On relaxe. Avant notre première excursion qui est dans une heure. J'allais dire, enjoy les bruits de la jungle, mais là, il y a un quatre-roues qui vient de passer. Dans une heure, on a une excursion, puis on s'en va voir. Je pense que c'est... Quand ils fabriquent le caoutchouc? Non, c'est pas ça aujourd'hui. C'est ça? C'est les noix. On s'en va des pignottes. Ouais, des pignottes. On s'en va manger des pignottes. Quelque chose comme ça, là. Puis après, on revient ici. C'est un trek de 2 heures. Ouais. Après, on revient ici à 5h30. Ouais. Puis on est comme 1h30 de pause break. On va peut-être aller se baigner parce qu'il fait comme 50 degrés. Puis à 8h, on part pour un trek de nuit dans la jungle. Voir les caïmans. Les caïmans bateaux. Caïmans, c'est des genres de crocodiles. Puis c'est vraiment beau le site. On est vraiment en pleine jungle. On entend toutes les bruits. Puis tu sais, nos murs, là, c'est des portes, des moustiquaires. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de vitre. Là. C'est notre porte d'entrée. Cette nuit, on va entendre tous les bruits de la jungle. Ça va vraiment être cool. La forêt amazonienne, plus précisément. Vlog update. On s'en va. On s'en va faire un trek. On y va. Fallait se mettre en pantalon long parce que les mosquitos, puis à ce que je vois, eux, ils sont en shirt. Yeah! On a de la crème anti-bibite. On s'en va de nuit. Mène pas un couteau à beurre avec nous autres au cas où qu'on se fasse, ça on a rien pour nous défendre. Il fait très noir. Ouais, ouais. Nous pis nos plans là. Ah, parti. Un gros.